l'homme représentant de l'État ouvre sa bouche publiquement et dit que 15% des Guadeloupéens ne payent pas l'eau ou refusent de payer l'eau, je dis, mais où sont passés les Guadeloupéens? Ils ne disent rien, ils encaissent, ils acceptent. Mais moi, non. Au comité de l'eau, ça ne passe pas ici. Je dis qu'il faut aller chercher l'argent là où ceux qui se servent de l'eau en quantité abondante, qui ne payent pas, ils doivent nous faire payer. Mais dites-moi, c'est 35% d'impayés, c'est qui? Et j'ai une liste que j'ai amenée aujourd'hui, que je ne vais pas cacher, que je vais vous donner des exemples. Ce représentant de l'État, il est inscrit dedans que le compteur de la préfecture est bloqué depuis 20 ans. Je ne vais pas simplement attaquer comme ça les gens si je n'ai pas des preuves. Compteur bloqué, la gendarmerie. La tasse, qui parle souvent, compteur bloqué. La tienne, compteur bloqué. Et etc. J'ai la liste que je vais publier. Que je veux mettre publique. L'hôtel des impôts va devoir payer. Et non pas avoir le pays lambda à qui on saisit le monde pour 50 euros. Aussi à la problématique de l'eau.